Ah, bonjour, les productions de la Réclée présentent Outlook. Enfin, pas tout Outlook. On va voir planifier une rencontre dans Outlook, une rencontre avec des participants invités et les fonctions avancées du calendrier. Alors, pour ce faire, vous devez avoir accès à Outlook et dans notre cas à nous, nous allons nous concentrer sur le client léger sur la plateforme Office 365 et non pas le client lourd que vous pouvez avoir le logiciel installé sur votre machine. Deux façons d'atteindre Outlook. Vous pouvez aller dans Office 365 et ensuite aller sur Outlook. Ou, enfin ici, c'est la même chose. Donc l'interface qu'on a là. Ou vous pouvez directement taper dans l'URL outlook.office.com et vous allez atteindre directement votre Outlook. Donc vraiment la même chose. Évidemment, dans l'Outlook en ligne, on a des fonctions qui sont un petit peu différentes parce qu'on utilise une interface web. Le calendrier, par contre, se trouve au même endroit que sur le client lourd, c'est-à-dire il est en bas complètement à gauche. Donc la petite boîte qui est là. Si vous cliquez dessus, il ressemble à ceci. Vous pouvez changer dans votre calendrier le type de vue, par exemple le mettre en semaine. Vous pouvez partager votre calendrier en tapant l'adresse d'une personne à qui vous voulez envoyer votre calendrier qui pourrait y accéder. Évidemment, si vous le partagez, vous devez le partager avec quelqu'un dans votre organisation. Par défaut, ça ne sera pas facile ou possible même de l'envoyer à quelqu'un comme une adresse Gmail. Et par défaut, la plupart des organisations, vous allez remarquer probablement ici, membre de mon organisation peut voir lorsque je suis occupé. Donc, ce que cela veut dire, c'est que par défaut, on sait si vous avez planifié quelque chose dans votre calendrier, mais on ne sait pas le contenu, on ne voit pas le contenu de la personne. On sait simplement que la personne a une occupation à ce moment-là. Donc, maintenant, pour ce qui est de planifier une rencontre, maintenant, ben c'est très simple. On peut double-cliquer à un endroit, par exemple lundi le 4. Je vais double-cliquer. Et voilà. En fait, ça s'est passé. Alors, on va y aller plutôt la semaine prochaine pour pas que ça bug. Alors, lundi le 11, par exemple, autour de 9 h, j'ai la fenêtre de rencontre qui s'ouvre. Ce qui distingue en fait une réunion d'une rencontre, c'est simplement d'ajouter des gens. Donc, je vais ici prévoir une rencontre avec Marcel, peu importe qui est Marcel. Et évidemment, ici, je devais devoir inviter les gens. Par défaut, il me suggère quelques personnes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien inviter quelqu'un qui n'est pas de votre organisation. Il va recevoir une alerte. S'il clique qu'il accepte, vous allez recevoir l'avis qu'il a accepté. Et surtout, ben, vous allez pouvoir, la personne va pouvoir en fait ajouter automatiquement dans son calendrier, si elle utilise le code de calendrier d'Apple, le calendrier de Gmail, ça va être automatiquement ajouté dès qu'elle va le cocher oui. Ensuite, bon, les choses simples, la date qui est ici, l'heure de début, l'heure de fin. Donc, je peux changer par exemple une rencontre de 2 h. Je peux dire si elle est périodique, donc elle se répète dans le temps. Par exemple, elle se répète à tous les. Un jour, c'est peut-être un peu trop là. Mettons à toutes les semaines, je veux qu'elle se répète tous les lundis. Et là, ben, chaque lundi jusqu'au 2 novembre pour l'instant, je pourrais changer la date de fin ici. Disons, date de, ça c'est date de début. Date de fin, je vais y aller le 12, mettons. Et voilà. Jusqu'au 12 décembre, à tous les lundis, j'aurai périodiquement une rencontre. Le lieu, si votre organisation utilise Outlook pour gérer les lieux, vous allez pouvoir choisir des salles. Ce n'est pas toujours le cas. Sinon, vous pouvez faire aussi une réunion dans Teams directement. Donc, si votre organisation utilise Teams et que vous cochez cette option, ce qui est avantageux, c'est que dans la réunion et dans le courriel qu'il va recevoir, la personne va avoir un lien Teams. Elle n'aura qu'à cliquer dessus pour joindre la réunion le moment venu. Moi, ce ne sera pas mon cas. Je pourrais également mettre un URL de Zoom, par exemple. Mettons que mon URL, ce serait ça. XY. Et ça fonctionnerait aussi. Donc, j'utiliserais, ça serait une façon de dire l'endroit. Mettre un rappel. Maintenant, ça, c'est probablement quelque chose que vous saviez déjà.
Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est peut-être les options de réponse déjà. Donc, au niveau des options de réponse, une option qui est probablement, deux options qui sont probablement très intéressantes. La première, vous voulez peut-être éviter que la personne transfère l'invitation à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je décoche souvent cette option-là. Et l'autre chose, il est possible que vous ne vouliez pas nécessairement que les participants voient la liste de tous les participants. Dans certains cas, ça peut être pertinent, dans d'autres cas, non. Donc, c'est une autre des options. Maintenant, l'autre option que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'assistant de planification. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez quelque chose comme ça. Évidemment, Marc Plamondon, qui est en gris ici, c'est un participant externe. Donc, ce participant-là, je n'ai pas accès à son calendrier. Par contre, si je vais ajouter une participation obligatoire, donc la réunion ne peut avoir lieu si cette personne n'est pas là, et que j'ajoute, par exemple, Mylène. Ben, je vois que Mylène, déjà ici, si j'essaie de placer la rencontre là, ça ne fonctionne pas parce qu'on voit qu'elle est occupée. Je n'ai pas le détail de sa rencontre parce qu'elle ne m'a pas partagé son calendrier, mais je sais qu'elle n'est pas disponible. Alors, je pourrais essayer de choisir un autre moment dans le temps, par exemple le mercredi ici. Là, ça ne marche toujours pas. Elle est très occupée, on a beaucoup de difficultés. Bon, peu importe. Ah oui, il faudrait peut-être que je réduise, là. Il s'est mis comme pleine grandeur, lui-là, là. Je sais pas trop, il a bugué. Bon, oui, là, en théorie, ça fonctionnerait. C'est une rencontre de 3 jours. Peut-être pas ce qu'on veut. Voilà. Bon, choisir le nombre d'heures de 11 h à 16 h 30, mettons. Et là, tout le monde pourrait. Je peux ajouter également des participants facultatifs. Et là, à ce moment-là, la réunion va avoir lieu qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas, mais ils seront avisés. Et je peux vérifier la disponibilité d'une salle, évidemment, si mon organisation utilise la gestion des salles via Outlook. Donc, je vais abandonner parce que je ne vais pas aviser mes collègues de ça. Et voilà. Ensuite, j'ai qu'à faire envoyer et c'est à envoyer. Peut être très pratique ce type de rencontre-là avec vos élèves dans un contexte de formation à distance, entre autres, dans lequel vous souhaiteriez utiliser que ce soit Zoom ou que ce soit Teams, de manière à ce que en permanence le lien soit là dans le courriel et qu'ils aient qu'à cliquer dessus. Donc voilà, c'était l'utilisation de base de votre calendrier et la création de rencontres dans Outlook.